Le samedi 16 avril, sur le Champ de Mars, les Valentinoises et Valentinois ont eu la chance de pouvoir faire de la calèche, de croiser des autruches, des vaches, des cochons, de manger bio à l'espace restauration fermière et d'échanger avec le monde paysan. La campagne s'est invitée à la ville pour fêter le printemps. Et c'est une envie en fait de faire partager à tous les Valentinois, aux urbains finalement, cette merveilleuse nature que nous avons autour de nous, les produits locaux de qualité, puisque nous sommes dans un département, premier département bio de France, et donc ici à Valence, c'est la première finalement, dans ce chef-lieu de département, la première étape de cette opération que mène le CIVAM de ferme en ferme, qui chaque année permet à l'ensemble des Drômois de venir découvrir les exploitations et goûter à nos produits de qualité. Alors les CIVAM, c'est les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. C'est une association qui est assez connue dans la Drôme puisque nous avons créé en 1993 l'opération De Ferme en Ferme, qui est maintenant un événement très très connu. Et nous avons d'autres actions, notamment nous travaillons sur un travail qui est l'observatoire des circuits courts en ce moment. Les gens connaissent le monde rural pour y avoir traversé quelques chemins, on va dire, dans nos campagnes, mais on le connaît bien souvent assez mal, et c'est vrai que l'opération De Ferme en Ferme est une bonne occasion pour amener les gens à cette découverte. Et là, c'est l'occasion aussi justement de faire le chemin inverse, c'est-à-dire que les agriculteurs se déplacent à la ville pour leur montrer à toutes ces personnes de la ville ce que nous sommes, nos animaux également, et déguster nos produits. Alors, à savoir que le palmier de Madagascar, vous voyez, donc il fait des feuilles comme un palmier, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Après les feuilles, vous voyez, elles sèchent, vous avez là, donc ça va tomber, et le tronc va se former. De nombreux partenaires, tels que le lycée agricole du Valentin et le lycée horticole de Romans, étaient présents et ont assuré, entre autres, des animations auprès des plus jeunes. On prend et on met dans le pot. Allez. On met jusqu'au trait, là, d'accord ? Et c'est quoi? C'est de la terre, du terreau? Terreau. Terreau spécial pour les graines. Enfonce les pas, tu vas le recouvrir de terre. Bon, c'est pas trop grave, ça arrive quand même. Sauf s'ils annoncent de la gelée, mais sinon c'est bon. Ça fait 3 neurones, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Un petit ticket en échange d'une belle assiette assortie d'un dessert. Merci beaucoup. Quelle chance, bon appétit. Merci. Alors oui, vous savez que l'UNESCO a classé comme élément du patrimoine mondial, culturel, le repas gastronomique français. Et nous avons ici, à Valence, la chance de bénéficier d'un certain nombre de chefs étoilés, dont Anne-Sophie Pic aujourd'hui a été nommée et désignée comme la meilleure chef du monde, hein, sur la cuisine, la gastronomie. Et nous avons la chance de bénéficier de restaurateurs de qualité et aussi de produits locaux. Donc nous lançons l'idée, je dirais, de donner cette image de Valence, une ville où la gastronomie, où l'art de vivre autour de la table est une idée qui devrait faire rayonner. Donc l'idée, c'est de passer d'une image de la terre à la table, avec cette volonté de mettre à l'honneur ce repas gastronomique français qui aujourd'hui est l'élément du patrimoine culturel mondial.